C'est l'ONF qui me propose d'aller faire un film en Acadie, à Bathurst, avec un groupe qui s'appelait Télépublic. C'était des Acadiens qui voulaient faire un long métrage, puis qui avaient décidé de le faire avec le porte-à-porte. Et ça, c'est avant que j'arrive. Mais eux autres, ils savaient qu'il y avait un problème. Leur ambition, c'était d'arriver à faire un long métrage, puis de diffuser ça à l'antenne de Campbellton. Mais ils n'étaient pas capables de le faire parce que l'image déchirait quand on essayait de le diffuser. Alors, nous autres, on va s'engager, Garneau, puis Rossignol et moi, dans tout le processus de création. Mais pendant ce temps-là, le producteur essaye de régler le problème technologique, le problème de comment est-ce que son film, il faut terminer, il va être capable de le diffuser autrement que dans des salles de classe. Puis je ne sais plus comment c'est arrivé exactement, mais c'est un peu prodigieux. Il se rend aux États-Unis à une conférence de génie électronique, là, tu sais. Puis il rencontre là deux ingénieurs de la NASA qui travaillaient, eux autres, sur la télécommunication avec les astronautes et tout. Puis leur seul problème, eux autres, ça les intrigue et tout ça est amusant. Fait qu'ils se mettent à travailler sur un système qui retirerait le signal de synchronisation de la porte-à-pack sur le ruban ou station, puis qui insérerait un signal plus stable. Qui, lui, pourrait diffuser l'antenne sans déchirer. Il appelle ça un time-based corrector. Il invente le premier modèle. Quand on arrive au montage du film, de tout tourner, tout ça, à Radio-Québec, les deux gars de la NASA arrivent avec un premier appareil qu'ils font, puis là, on va faire le montage du film, et puis avec leur piton, ils gaulent chaque... Ils gèrent chaque image là, pour rétablir la scène. Puis aujourd'hui, il n'y a pas une télévision au monde qui n'est pas équipée avec un time-based corrector. Mais ça part de là. Ça part de cette expérience-là ouais. En Acadie. C'est très intéressant.